premier président de la Cour suprême de la République du Bénin, président de la Chukia. Mesdames et messieurs les premiers présidents et membres du bureau, monsieur le secrétaire général de la DUCAF, honorables personnalités, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord, au nom de monsieur le premier président présent parmi nous, et à mon nom personnel, de vous souhaiter à vous tous la bienvenue parmi nous au Royaume du Maroc. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir représenter pour la première fois la Cour de cassation du Maroc auprès de la DUCAF. Je voudrais par ailleurs profiter de cette occasion pour remercier vivement le premier président d'abord pour la confiance qu'il m'a accordée en me désignant comme correspondante auprès de la DUCAF et comme responsable du musée de la Cour de cassation. Je ne peux que réitérer le grand intérêt qu'il porte à la sauvegarde de notre patrimoine, mais aussi de le remercier pour son appui constant pour aller de l'avant dans ce projet et aboutir à des perspectives d'avenir de grande taille pour restituer la mémoire de l'équipe. Je tiens également à remercier tout particulièrement M. Jean-Paul pour sa passion et sa patience pour ce projet depuis notre première rencontre en 2007. Si vous pouvez tout d'abord la présentation. En 2007, qui était une occasion de collecte et de recherche de documents à travers tout le royaume. Je ne veux pas non plus résumer le sujet avec des chiffres seulement, mais un nombre de documents qu'on a pu collecter en faisant appel à toute institution publique ou privée. Mais je voudrais tout particulièrement mettre le point sur le fondement lui-même de l'importance de ce sujet. De pouvoir le faire avec le cœur pour le bien de notre communauté à nous tous. Le patrimoine joue un rôle de cohésion entre les peuples, mesdames et messieurs, et les cultures et la reconnaissance d'un savoir-faire permet de valoriser une civilisation et de retracer son histoire. Le Maroc, riche de son identité plurielle aux multiples afflux linguistiques et ethniques, possède un patrimoine culturel et artistique digne d'admiration. Depuis son accession au trône, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, a érigé la culture en priorité nationale et ne cesse d'entourer de son intérêt ce secteur, considéré comme incontournable dans le processus du développement du Maroc et du renforcement de la cohésion nationale. C'est ainsi que, conformément aux hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, qui porte un grand intérêt à la justice et une attention particulière à la Cour de cassation, l'année 2007 fut consacrée à la célébration du 50e anniversaire de cette Cour. La célébration de cet événement historique a pris un élan national par l'organisation de 11 colloques à travers tout le royaume. Ces manifestations ont non seulement permis de réunir chercheurs et praticiens, mais autour de débats d'ordre juridique et judiciaire, mais aussi de collecter un maximum de documents et d'objets en rapport avec la justice locale dans ces régions. Ces festivités se sont achevées par la cérémonie officielle du Jubilé d'or de la Cour suprême de Rabat, autrefois appelée Cour suprême, le 21-22 novembre. Cette cérémonie, mesdames et messieurs, se distingua par un message de Sa Majesté le Roi, adressé spécialement en cette occasion, qui a tracé les grandes lignes pour cette Cour de pouvoir retracer, collecter et de diffuser principalement tous les documents qui se rapportent à notre histoire de la justice. Ensuite, un colloque international s'est tenu autour de la question « L'horizon futur de la justice » et a été procédé par l'inauguration d'un musée de la justice qui formera le point de départ de notre musée actuel à la Cour de cassation. Mesdames et messieurs, chaque pays ici présent parmi nous aujourd'hui a bien son histoire propre, son patrimoine, ses valeurs culturelles, humaines, socio-économiques et politiques. Mais il va sans dire qu'il y a toujours un point commun entre nous tous les peuples, c'est bien le désir de cohabiter, de partager et de découvrir dans le respect de la différence des autres. Je suis convaincue que ce séminaire sur l'histoire des cours de cassation sera très instructif par le partage d'expériences à nous tous.
Merci pour votre attention et bienvenue encore une fois parmi nous au Maroc. Si vous le permettez, nous allons juste vous expliquer un petit peu la suite du programme. Nous allons par la suite sortir prendre un petit pot de café rapide. Et on se dirigera par la suite vers la cour de cassation. Et on se dirigera directement vers la salle de Saint-Hélène de la cour. Là, on se déroule toutes les ouvertures de des années judiciaires. Nous allons regarder un film institutionnel qui retrace un petit peu l'histoire, notre évolution du système judiciaire. Ils sont un petit peu dans notre cours de cassation. Et par la suite, nous allons procéder à la visite de tous les documents présents dans le musée.